belle maman a envie de me garder. Alors, nous étions hier, nous nous étions arrêtés après la... J'ai mes écouteurs qui partent en vrille. Après la quête avec notre chère Liara. Donc on avait fait la bête à deux dos avec Liara et on allait. J'avais espoir que Garus nous prenne par la main et nous fasse valser toute la nuit. À coup de souplesse et d'autres galipettes aliens. Mais non, il nous a encore mis un vin. Donc tant pis. Jack nous a dit de nous faire foutre, hein, comme d'habitude. Donc nous allons aller faire la quête de Miranda. Parce que Shepard n'a pas d'amis en fait sur ce vaisseau. Shepard, elle est triste. Shepard, tous les jours, elle se demande pourquoi elle a été réanimée. Shepard, elle trouve que la vie, elle est dure. Shepard, vous tombez bien, j'aurais besoin souplesse de souplesse et allonge, Baronne. Exactement, merci, Drago Sutol. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. Vous exagérez, Baronne. La commission de l'amirauté m'accuse de trahison. J'ai peur, Shepard. Bah, vous savez, Tali, je peux vous protéger si... Enfin... Vous voyez, c'est... Bon, heureusement que je ne suis pas un homme, ça ne passerait tellement pas. On peut pas faire du chantage sexuel à Tali, je suis nulle. Ceux qui vous connaissent savent que vous ne trahirez jamais les vôtres, Tali. C'est le deuxième de Mass Effect. Il ne porterait pas d'accusation aussi grave si l'épreuve n'était pas flagrante. Mais, merci. J'apprécie votre confiance, Shepard. C'est parce que vous travaillez pour Cerberus ? Je ne travaille pas pour Cerberus. Je travaille pour vous. Oh, et on m'a accordé une de femme fidèle comme on les aime. Comment on les aime ? J'ignore totalement comment on les aime. Je m'en souviendrai si j'avais trahi la flotte. Bonsoir, Newhold. Merci beaucoup. Un joyeux anniversaire à la plus grande baronne du Twitch Game. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toi, Daloga, Daloka64. Et merci beaucoup. Que se passe-t-il quand un carien est accusé de trahison ? On le pend par les pieds. L'accusé est entendu en audience, et les membres de la commission de l'amirauté font office de juge. Par contre, je te conseille de monter ta conciliation pragmatisme avant de faire cette mission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit. C'est puissante. La sentence pour trahison est l'exil. Si je suis condamnée, je ne pourrai jamais revenir. Je vous aiderai. Bon, allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci, Shepard. Ne vous inquiétez pas, Tali. Je suis là pour vous. Et si vous n'êtes pas romançable, les amis doivent nous attendre. Il y a un choix qui peut provoquer des choses fort peu enviables dans le 3. Bon, écoutez, du coup, pour avoir un peu plus de pragmatisme ou de conciliation, on va d'abord faire la mission de Miranda. Oui, pour toi, le Normandie, c'est plutôt une demoiselle, pas vrai ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Une gentille fille à sa maman. Et Idéa est aussi une fille. Tali, j'en parle même pas. Mais... Où est-ce que tu veux en venir, Kenneth ? Je veux en venir que je me sens un peu en infériorité ici. Toutes ces énergies féminines face à un seul homme... Ouais. C'est toi, la gonzesse. Tu vois ? Assimilation spontanée des minorités. Mais ça se passera pas comme ça. C'est vrai que nos petits mécanos, ils sont rigolos. Bon, ils bossent pas beaucoup, mais... Comment leur en vouloir ? Non, c'est le... faire ici. Ah mon dieu ! La cuve d'incubation, je l'avais totalement oubliée. Le sujet est stable, Shepard. Intégration réussie au système embarqué. Tu as une idée du danger qu'il représente ? C'est un Krogan, Shepard. Ah. Si vous me demandez s'il est activement hostile, je n'ai pas les données nécessaires pour vous répondre. Je parle, réfléchissez. La technologie du chef de guerre Okir pouvait transmettre des données, non des processus mentaux. Le sujet peut connaître son point de vue sans pour autant le partager. Il peut voir quelque chose là-dedans ? Il sait où il se trouve ? Peu probable. Son activité neurologique actuelle indique un état cognitif minime. Sauf dysfonctionnement électrique généralisé, les nutriments de sa cuve peuvent le maintenir en vie pendant plus d'une année. Mais ouvrons la cuve ! Attention, je vais ouvrir la cuve pour le laisser sortir. Le protocole de Cerberus est très clair vis-à-vis des technologies non humaines inconnues. Ça va bien se passer, enfin... Je ne tolère pas de dissension sur mon vaisseau, même de la part de mon vaisseau. Vas-y. Très bien, Shepard. Les commandes sont activées. En appuyant sur l'interrupteur,
vous en assumez les conséquences. Mais oui, on va devoir lui tirer dessus. Ça va très bien se passer. Petite bête, là. Ouvrez la cuve. Bonsoir, le boomer. Et oui, regardez la petite bête. La petite bête à sa maman. Est-ce que vous pensez... Oh mon Dieu, il est énorme. Est-ce que vous pensez qu'il va appeler maman? Brrr, le bébé. Ah, le bébé. Humain, féminin. Votre armure est plus légère que celle d'un crogan. Attends. Avant de vous tuer, j'ai besoin d'un nom. Bou le bébé. Je suis le commandant Shepard et je réagis mal aux menaces. Un conseil, calmez-vous. Mon baby. Par votre nom, le mien. J'ai reçu de l'instruction, une formation. Mais la cuve, Okir n'a pas pu implanter de lien. Ces mots sonnent creux. Chef de guerre, futur, héritage, Grunt. Tiens, un nom guttural dénué de sens. Ça fera l'affaire. Je m'appelle Grunt. Si vous êtes digne de commander, prouvez-moi votre force. Essayez de me vaincre. Oh. Pourquoi Grunt? Vous ne préférez pas Okir ou Futur? Grunt est court, fidèle à mon sang. Les autres mots sont longs. Ils ne me disent rien. À vous peut-être, pas à moi. D'accord. Je ne ressens rien envers Okir, son clan ou ses ennemis. Je ferai ce que j'ai été créé pour faire, me battre et m'imposer. Mais il n'a pas su me faire à son image. Sans une raison de ma part, un combat en vaut un autre. Autant commencer avec vous. On va trouver ça ensemble, calmons-nous. J'ai un bon vaisseau et mon équipage, mon clan, est fort. Joignez-vous à lui. Si vous êtes faible, et vos ennemis aussi, je devrais vous tuer. Nos ennemis sont puissants. Aucun doute là-dessus. C'est acceptable. Je vais me battre pour vous. Vous avez bien fait de vous montrer raisonnable. On est d'accord que c'est aussi la voix de Walter dans vous Fable 3. Vous et vous armez l'autre. Oui, bien j'en suis dit, sûr. Shepard. Si je trouve un clan, si je trouve ce que je veux, je serai honoré de vous affronter à sa tête. Absolument, Baron. En plus, Walter, il... Enfin, pour ceux qui ont fait Fable 3, vous savez, et là, savoir que le doubleur aussi il est décédé, j'avoue. Shepard. Je veux qu'on parle de vous. Je passe juste voir si vous vous acclimatez. Les humains parlent trop, comme la cuve. Revenez plus tard. Ça va. C'est tout pour l'instant. Shepard. Bon, au moins, il connaît notre prénom. Bon, la petite bête a été libérée. Je pense pas qu'il soit romançable, hein. De vous à moi. Commandant, vous avez reçu un message? Kelly. J'ai parcouru les rapports sur Horizon, commandant. Vous avez vraiment brillé. Le compte-rendu mentionnait la présence de Kaidan Alenko. Qu'est-ce que ça a donné? C'est un connard! Aux sourcils mal épilés, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aurais jamais dû le laisser en vie. Il me manque. Il va semer le trouble. On a vécu pas mal de choses. J'aurais aimé qu'on passe plus de temps ensemble. Vous avez des sentiments pour lui? Ce qui est arrivé entre nous appartient au passé. Il ne s'est jamais rien passé, sachez-le. Ce n'est jamais facile de dire au revoir à un ami intime. Si, c'est facile. Il faut savoir tourner la page. Je comprends. Bref, que puis-je faire pour vous? Bref, commandant, vous me gênez. Vous me gênez énormément. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Mordine voudrait vous parler, il est dans son labo. Mmh. Autre chose, commandant? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Non, rien, je ferai mieux d'y aller. Très bien. Non, Kelly. On se parlera peut-être plus tard. En fait. Pourquoi tant de haine envers Gros Sourcil? Mais c'est parce que... Je n'ai pas... rien d'autre à ajouter. Non, mais Kaidan, il est pas drôle. Kaidan, il vend pas du rêve. Kaidan, c'est Kaidan, quoi. Personne n'a envie de faire un bébé à Kaidan. Alors, pour aider... Non, Jacob, on s'en fiche. Alors, Tali, c'est là. Miranda. On va aider notre petite Miranda.
Non, non, Kedem, il n'est pas vanille, parce que la vanille, c'est mon parfum préféré en glace. Donc, calmons tout de suite. Non, non, Kedem, c'est... c'est une glace au yaourt. C'est pas très bon. C'est pas immonde non plus, mais c'est pas bon. C'est pas quelque chose de gourmand. Ouais, c'est une glace au yaourt. J'ai trouvé. Kelly peut nourrir tes poissons, en fait. Ah oui, mon Dieu, c'est vrai, j'ai un poisson. J'ai écouté mon billet. Félicitations pour la naissance du bébé Baron. Mais oui, regardez, il est gros, il est beau. Brrr. Tenez, on va le prendre. Oh. Pam, 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 pam. Ouh. Regardez-moi cette bonne grosse tête-là avec ses petits yeux bleus. On va faire de lui un berserker. La maîtrise de la rage du sang de Grun renforce ses capacités de régénération déjà phénoménales, assurant sa survie quand Krogan aurait succombé aux mêmes blessures. Grun peut devenir fou furieux sans perdre de vue son objectif létal, augmentant alors les dégâts infligés par ses armes. Fortification, j'ai lu fornication, Johanna, non hein. S'il vous plaît. Il faut des Krogan bien élevés ici. Il est mort votre poisson Baron, surtout si vous l'oubliez dans Mass Effect 2. Ça ne pardonne pas, j'en sais quelque chose. Oh, tout de suite. Alors, tir percussif lourd. Explosion intense propulsant vos ennemis avec une force hors du commun. Ces puissants chargeurs positifs bénéficient d'un rayon d'impact insuffisamment important pour avoir plusieurs ennemis à la fois. Et toi, Miranda, c'est... c'est bien. Gentille tête. Voilà. Vous êtes très près de moi, par contre. Alors, donc, notre objectif pour notre petite Miranda, l'enfant prodige, parler à Lantia. Bonjour Naméris, comment vas-tu? Merci beaucoup. Rendez-vous sur Ilium du système Thalassé dans la nébuleuse du croissant et discutez avec Lantia, le contact de Miranda dans le bar de l'éternité. Allons au bar. Un peu d'eau du robinet pour fêter ça. Et ça repart. Donc le bar de l'éternité. Où est le bar? Alors, nous sommes ici, ma bonne Martine. Attendez, hop, mon coussin. Mon coussin de dos. Nous allons au bar. Sûrement la meilleure décision de cette journée. Bon, bah, par contre, Shepard, après tant d'aventures, il serait temps d'avoir un meilleur cardio. Hein. Tout de suite le chômage, mon Dieu, les infos sont déprimantes. Bon, c'est bien. S'il vous plaît, je suis au téléphone. Mais je ne vous ai pas harcelé. Allez, mes chéris, fichez le camp. Dites adieu à vos jolis projets de reconstruction. C'est répugnant. Vous spéculez sur la peur des gens. Alors, ah, Eternity, c'est par là, non? Parfait. Ça nous fera 116 000. Normalement, il doit flotter sur le dos en ce moment-même. Mais non, on parlait pas mal de mon poisson. Attendez, où suis-je? Non, on est bon, on est bon. On est bon. Oui, le bar. Alors. Ah mon Dieu, l'enterrement de vie de garçon. Oui, vous en souvenez. Alors, le contact... Je sens la haine dans l'air, mais il n'y a pas de combat. C'est comme si il n'avait pas envie. Mais oui, personne ne veut bagarre. Parce que ça m'a l'air idiot. Des règles et des paroles pour masquer leur masque. C'est facile de se battre. Il suffit de tuer le type qui vous vise. Ici, impossible à dire. C'est idiot. T'as l'air terrible. Mademoiselle Lawson, ravie que vous ayez survécu. Nous avons eu quelques complications. Que s'est-il passé? Bonjour Nero, merci beaucoup. Oui, mais
Vous avez indiqué comme source fiable un certain Niket. Il m'a contacté pour m'avertir que votre père avait envoyé des mercenaires d'Eclipse quadriller le secteur. Il a émis l'hypothèse que les mercenaires en avaient après vous personnellement. Par conséquent, il s'est proposé d'escorter la famille d'Oriana jusqu'au terminal. Qui est Niket ? Vous n'avez rien dit sur Niket. C'est un ami. Un ami de longue date. Voulez-vous faire venir d'autres de vos contacts sur Ilium, mademoiselle Lawson ? Non. Je ne fais confiance qu'à Niket et à vous. Parlez-moi des mercenaires. Qu'est-ce que vous avez comme info sur les mercenaires ? J'ai vérifié qu'ils appartiennent bien à Eclipse et qu'ils travaillent pour une organisation que mademoiselle Lawson nous avait indiqué de surveiller. Je pourrais éventuellement prévenir les autorités, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait d'illégal. Vous avez pris la bonne décision. On va s'en occuper nous-mêmes. Je suis là pour ça. C'est votre sœur, Miranda. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Lanteia, nous allons suivre la proposition de Niket. Shepard et moi, on va prendre la voiture et détourner leur attention. Demandez à Niket d'escorter la famille jusqu'à la navette. Indiquez-lui l'itinéraire par acquis de conscience. Compris, mademoiselle Lawson. Alors l'idée, c'est qu'on se fasse descendre par Eclipse le temps que votre sœur parvienne en sécurité. Eclipse aura reçu l'ordre de prendre ma sœur vivante. Ils ne feront rien qui risquerait de nous tuer. Tu as un problème avec le stream, Zendri, c'est-à-dire ? Est-ce que vous y a des bugs ? Ah mon dieu. OBS m'indique qu'il y a un problème, effectivement. Je vois l'un des voyants qui est en rouge. Attendez, je vais essayer de voir sur mon téléphone. Attendez. Pour les autres, est-ce que vous avez un problème avec le stream actuellement ? Parce que je ne suis pas sur la même connexion internet que d'habitude. Je vais essayer de regarder ça. Il y a un très gros décalage, mais soit les autres, ça va dans le chat ou pas ? Ou y a-t-il un souci ? Je doute qu'Eclipse envoie tous ses hommes juste pour vous arrêter. Vous voulez envoyer des renforts à Niket ? Non, il sait se défendre. Et puis ça ne ferait qu'attirer l'attention sur lui. Effectivement, ça ne fonctionne pas très bien. Attendez. Puis-je régler le problème d'ici ? Il ne me propose plus la bonne connexion. Le stream bug chez moi, je bloque de temps à autre. Oh là 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 là. Là, le voyant s'est remis au vert, mais... Comment vais-je faire ? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Attendez une toute petite seconde. Je vais voir également l'FPS. Le jeu semble tanké par rapport à la cam qui, elle, fonctionne normalement. Le stream fonctionne très très mal. Zut. Attendez, je vais essayer de régler ça. Ne bougez pas, je reviens dans un tout petit instant. Non, Nero, c'est pas chez toi. Apparemment, le stream freeze. Je vais regarder ça tout de suite. Ne bougez pas.
Bon, on va essayer tel quel, mais effectivement, ma connexion internet... fait des caprices. Je suis absolument désolée pour les frises. Alors, effectivement, le jeu est moins beau que d'habitude parce que j'ai perdu 27%. Ben vient de passer pour me le dire. 27% d'images par seconde, je crois. Quelque chose comme ça. Sincèrement désolée. On va essayer de continuer tel quel. N'hésitez pas à me le dire si ça frise vraiment, si vous n'entendez pas. Ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bon, je suis sincèrement désolée pour la qualité du coup. J'espérais un jeu un peu plus fluide. Non mais c'est ça, c'est encore un coup des grévistes. Parce qu'en fait je ne suis pas connectée sur le même wifi que d'habitude. Parce que mon ordinateur ne le trouve plus tout simplement. Donc j'ai fait un speed test et normalement j'avais largement assez pour streamer. Mais écoutez... Ce sont les aléas du direct. Donc on va essayer de continuer. C'est quand vous voulez, Miranda. Veuillez m'excuser pour ce désagrément. J'apprécie vraiment. Je n'avais pas prévu qu'on aurait à scoltiner Eclipse. Mais eux n'ont rien vu venir non plus. D'images en moins, c'est la fin de l'abondance. Mais en fait, je vois là sur mon... Parce que j'ai mon téléphone avec le stream. Je vois qu'effectivement, ça frise par moment. C'est dégueulasse. Ça m'énerve. Écoutez, on essaye de faire la mission telle qu'elle. Si vraiment ça devient désagréable, je relancerai le stream. Dites-le moi. On va essayer de faire autant que faire se peut. Des aéronefs d'Eclipse. On va essayer de faire avec. Ils vont larguer des troupes dans les zones de marchandises. Mais attendez, là c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez, ça a vraiment bugué. Déposez-nous à sur mon téléphone, en tout cas, c'est n'importe quoi. Espérons qu'ils veulent vraiment nous prendre vivants. En plus, là, ça va tirer de partout, tirez ça va être pas. Abominable. J'ai dit, tirez pas, bordel ! Un petit atterrissage en souplesse. Merci Zendri, passe une bonne soirée et n'hésite pas à passer ce soir sur la chaîne Benzaï pour la suite de Fable 2. Vous m'avez dit que vous seriez dans la voiture. Vous êtes cette garce qui a kidnappé la gamine de notre boss. Kidnappé ? Vous êtes loin du compte. Je vous conseille de vous en aller, vous et vos hommes. Vous croyez avoir tout bien préparé, hein ? Le capitaine Eniala est déjà en train d'intercepter la gamine. Elle est au courant pour Niquette. Comptez pas trop sur lui. Par contre, la stabilité, c'est quelque chose. Ça ne fonctionne vraiment pas. Je vous donne une seule et unique chance de filer. Estimez-vous heureux. Le capitaine Eniala a tenu à ce qu'on vous laisse une chance de vous en tirer. Mais depuis qu'on a commencé à parler, mes hommes se sont mis en position de tir. Ce soir, le stream sera à minuit sur Fable 2 sur la chaîne de Ben. Gentiment, si vous voulez pas que ça dégénère. Ça, c'est du règlement de compte. Donc voilà, ce soir, ce sera Fable 2 à minuit sur la chaîne de Ben. Tout le monde est prêt ? En 6 mètres ! Bon, on va prier très très fort pour que pour cette scène de tir. Les FPS soient avec nous, la stabilité aussi. Encore une fois, dites-le moi, ça ne marche pas. C'est juste en mode Noël de Mickey. Comment ça? C'est-à-dire les bonhommes sont en pâte à modeler. Non, mais c'était sûrement trop demandé d'avoir un stream un peu fluide pour mon anniversaire. La vie m'en veut, c'est pas grave.
Avoir un stream qui rame, c'est un petit peu comme le gâteau des bougies sur un gâteau d'anniversaire, ça vient amener la petite touche spéciale là. De mon côté, en fait, mon retour au BS, il est fluide. Allez, mais ça rebug ici. Non, mais vous savez quoi, je vais relancer le stream. Je vais relancer le stream. Parce que ça... Je vais essayer de relancer le stream.